La Batmobile ne peut pas se rendre toute seule ici. Face tente de cambrioler la plus grande banque de Gotham à Kingston. Il est temps de le traîner devant la justice, monsieur. Un autre lieutenant de la milice hors d'état de nuire. Très bien, monsieur. Connexion établie.
Comme prévu, monsieur, un déploiement réduit de drones est mis en place pour vous arrêter. Batmobile en vue, près de Falcon Shipping. Batman a détruit un Rattler. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Très bon travail, bombe désamorcée. Échec ? C'est ce qui t'attend ! Alfred, je me dirige vers les studios de cinéma. Préparez l'analyse de la forteresse du Chevalier d'Arkham sur Thunder's Island. On va l'affronter à domicile. Très bien, monsieur. La fosse au lion vous attend. Serpent, en ligne! Batman vient d'avoir un drone serpent. Oh merde! C'est Batman! Sors de là! Réfléchis. Ouvrir. Robin est juste là, en bas, en train de planifier sa vie avec Barbara. Il pense sûrement à des prénoms pour toute une ribambelle de Batmôme. Il en a de la chance. Elle est tellement charmante. Même si elle est juste un... Monsieur, comment comptez-vous parler de Barbara à Maître Drake? Cela pourrait le bouleverser et lui faire perdre la raison. Pour l'instant, je ne dis rien. J'ai besoin qu'il trouve le remède. Monsieur, taire l'enlèvement de Mademoiselle Gordon est indiscutable. Cette fois, c'est mal. Nous devons faire des sacrifices, Alfred. Réfléchissez bien à ce que vous sacrifiez, monsieur. S'il apprend qu'elle nous a quittés et que vous le lui avez caché, vous le perdrez à jamais. Te revoir, Batman. J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. C'est aussi grave qu'on le dit. Pire. Mais tu contrôles la situation. Monsieur, les scanners longue portée n'ont pas pu localiser le déluge. Lancez le scan thermique à basse altitude de la Batwing. Impossible, monsieur. Thunder's Island est protégé par un lance-missile longue portée lui-même connecté à deux tours radar. Vous ne pourrez approcher de la zone ni avec la Batmobile ni avec la Batwing. Je peux détruire les tours radar à pied, si on trouve comment se débarrasser des drones qui les défendent. Eh bien, il y a une possibilité. J'ai identifié un drone spécifique qui semble servir de plateforme centrale de relais pour toutes les communications. Si je mets la main sur ce drone, on devrait pouvoir reconfigurer les protocoles de sécurité. J'aurai une chance de neutraliser les tours radar. Peut-être, monsieur. Mais cela semble dangereux. Trop dangereux.
C'est le seul moyen. Je vous tiens informé. Toujours aucune nouvelle de Barbara. Crois-moi, Robin, elle va bien. Tu dois te concentrer sur le remède. Tu n'es pas obligé de faire ça tout seul, Bruce. Je peux t'aider. Tout est sous contrôle. Il nous faut l'antidote. On y est presque. Je n'en ai plus pour longtemps. Écoute, si tu as besoin d'aide, tu sais où me trouver. Non, c'est pas possible. Hors de question que tu nous coinces là-dedans, Bruce. Ce serait pire qu'une mauvaise sitcom. Deux colocataires frappent à dingue. Une cellule de quarantaine. J'étais pourtant sûr que tu lui annoncerais, clair et net comme avec Gordon. Mais tu as réalisé. Pourquoi le briser maintenant alors qu'on peut l'anéantir plus tard? C'est d'une joker pur jus. Ce qui se passe là est étrange. J'ai étudié la grotte infestée de chauves-souris qu'est ton esprit. Et on dirait que tu crois vraiment à cet antidote. Oh, Bruce, laisse tomber l'antidote. Concentre-toi pour éliminer le chevalier d'Arkham. Ce sera ton champ du cygne. Double face tente de cambrioler la plus grande banque de Gotham à Kingston. Il est temps de le traîner devant la justice, monsieur. Je me demande qui va trahir qui, Ivy ou Batman. L'espace aérien de Bleak Island est dégagé. Drone HS. Je fais tout de suite décoller nos gars, Batman. Au travail. Cette nuit, on va établir un record, les gars. Ah, et puis même deux, tiens, pour faire plaisir au boss. Comme tout à l'heure, ces malfrats sont assourdis par les alarmes. Je peux les frapper sans retenue. Jamais je braque devant avec des gens à l'intérieur. Par là. Gardez les yeux ouverts, il est encore là. N'approche pas, Batman.
ou je te fais sauter la cervelle. On n'a pas oublié ce qui s'est passé, Batman. Tu nous as piégés. Tu viens d'aller maintenant. Il faut... Oh tiens, notre... Il passe par les grilles au sol. Faites sauter les grilles. Arrêtez cette ordure. Ce n'est qu'un homme. Tuez-le. Je ne peux pas faire entrer la voiture. Où les roues alors que tu laisses de côté des hommes comme moi. Mais bon, oubliez Batman, continuez de charger le fric. N'approchez pas. Un autre homme à terre. Vous laissez pas avoir. Si tu t'approches, Batman, je te désosse. Un autre homme à terre. Ne vous laissez pas avoir. Approche pas, Batman. Je te fais sauter la cervelle. Concentrez-vous sur le fric. Moi, j'ai jamais vu autant de fric, hein. J'ai un autre homme à terre par là. Gardez les yeux ouverts. Approche, Batman, je te désosse. Sortez, tout le monde. Bill, tu perds, Batman. Et ces messieurs vont s'occuper de toi. Ramenez-moi son cadavre. Il n'y a plus d'alarme pour couvrir le bruit de mes attaques. Je dois être silencieux.
qui nous a fait. Je sais que tu es là, mon vieil ami. Sors de là, espèce de lâche! Ce sont tes propres choix qui t'ont mené à cet instant, Batman. Ici même.
tuer pour ce que tu nous as fait. Je sais que tu es là, mon vieil ami. J'ai capturé Double Face. Je vous l'amène. Occupez-vous de ces hommes. Tout de suite, Batman. Marche arrière, il va nous avoir. Calme-toi, Ned. Elle va pas être là comme ça. Je refuse de croire. Un monstre par ta faute. Ce n'était pas ma faute. C'est pourtant toi qui as mis le lanceur d'acide sur le banc des accusés. Tu disais qu'on sauverait Gotham. Je regrette, Harvey. C'est terminé, Dent. Sache que je n'abandonne jamais la partie. Touche pas au boss, Batnaz. Oui, on te le répétera pas deux fois. Gardez votre salive. On aura notre chance. Ce ne sera pas de si tôt. Il faut toujours que tu essaies de maintenir l'équilibre de la justice, hein, Batman. C'est impossible! Pense à tous les crimes que tu as manqués pendant que tu nous courais après. Alors, Harvey, ça roule? Je ne veux pas paraître indélicat, mais je me suis toujours demandé... Est-ce que tout chez vous est partagé en deux? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu étais malade. Mais tu vas déjà mieux. Ton cerveau... Tu vas trouver cette arme. Le chevalier connaît la ville mieux. Oh,
La puce va me permettre d'aveugler momentanément les drones. Ça me laisse le temps de neutraliser les deux tours radar. Il faut que je détruise le radar avant que le drone puisse se reconnecter. Bien, j'ai détruit la première tour radar. À toutes les unités, on a perdu le radar dans le secteur A. Sûrement une panne. J'envoie un technicien. Suivez les ordres, c'est des papas. Tour radar B, tenez-vous prêt. C'est une plateforme à l'approche. En ligne ? Affirmatif. On ne peut pas perdre ce radar. C'est la seule chose qui l'empêche de débarquer sur l'île avec sa voiture de bord. Attention, c'est Batman ! Je compatis avec toi pour ce Batcopieur d'Arkham. Je ressens la même chose pour ces clones insipides de Joker que tu gardes au studio de cinéma. Il ne peut y avoir qu'un seul Joker, Batou, et c'est moi.
Avec le dispositif de piratage à distance, je peux temporairement aveugler la tourelle. Qu'on retrousse les manches et qu'on les massacre tous pour purger le patrimoine génétique du Joker. Alfred, c'est bon pour le radar. Il ne reste qu'un menu détail à régler, le lance-missile longue portée. Une fois neutralisé, je pourrai envoyer la Batwing pour une analyse du déluge. Je m'en occupe tout de suite. On a perdu le deuxième radar. Il a passé les tourelles. Comment c'est possible, ça? Contentez-vous de défendre le lance-missile. C'est moi qui contrôle le ciel. Aidez-moi!
ne peux pas perforer le blindage du lance-missile. Trop épais. Il me faut quelque chose de plus puissant. Il est protégé par un bouclier. Je dois le désactiver depuis la salle de contrôle. Je vais rester dans la salle de contrôle et faire venir la voiture. Je ne peux pas laisser la milice entrer ici et réactiver les défenses. Alfred, il faut que vous abaissiez les ponts. Bien sûr, monsieur. Je vois que vous faites bon usage de la commande à distance de la Batmobile. Chef, Batman abaisse les trois ponts d'accès à Founders Island. Déployez toutes les unités de Delta à l'emplacement de la cible. À vos ordres. Et pour la Batmobile ? Activez les escadrons de Cobra. Réduisez l'enquête. Drone Cobra HS. Tu ne mourras pas aussi facilement, Batman. Tu as tout un monde de souffrance qui t'attend, Batman. On a scanné le secteur, c'est le calme plat. Normal, ici. Je dois d'abord détruire les tanks Cobra, puis éliminer le lance-missile. Cible Alpha repérée à Drescher. Faut le gagner. Chef, j'ouvre le feu. Chef, Batman abaisse les trois ponts d'accès à Founders Island. On va faire entrer la voiture pour détruire le lance-missile. Déployez toutes les unités de Delta à l'emplacement de la cible. À vos ordres. Et pour la Batmobile ? Activez les escadrons Cobra. Réduisez l'enquête. Le virus de drone requiert deux charges d'énergie pour être efficace contre les unités Cobra. On a perdu, chef. RAS. Notre heure viendra. Nous traînerons ce cadavre dans les rues. Un Cobra perdu. J'en programme un autre. Quatre encore en poste. Contrôle.
Recherche dans le périmètre. Envolé. Je vais détruire la voiture et toi ensuite. J'ai perdu un Cobra. Chef, je crois que 5 tanks, c'était limite. Unité Delta déployée. Elle se dirige vers la position de la cible. Défait, chevalier noir. Tu t'es bien défendu, mais c'est fini pour toi. Je dois m'occuper du lance-missile. Ok, cible dans la salle de contrôle, je vais à l'intérieur. Attends, lieutenant, il est à moi. Je suis fin, ok, je me rends. Il est. Je ferai pas d'histoire. Les deux bouviers en place, surveillez tous les points d'accès. Oh, sans rire, les gars, ils nous ont entendu arriver à 3 km. Ces grandes oreilles ne servent pas qu'à faire joli, vous. Lance-missile sécurisé. Donc on contrôlera le ciel, il ne pourra pas le trouver. Bien. Est-ce qu'on est dans les temps? On avance la phase finale. Ta patience sera récompensée, bientôt. Il n'a pas pu sortir, on surveillait la porte. Il connaît mal. Dis-moi, qui tu es ? Encore Batman ? Laissez bloquer un peu ça. Chevalier d'Arkham, dites-moi que vous avez un nom. Non, monsieur.
De tous les patients de l'asile d'Arkham qui n'ont pas été renvoyés à Arkham City, aucun ne semble capable d'organiser et de mener un tel assaut. Ce n'est pas un fantôme, Alfred. Il est entraîné, et il m'en veut. Élargissez à toutes les personnes ayant été internées à Arkham par ma faute. Monsieur ? Ne traînez pas. Cela fait un grand nombre d'individus, monsieur. Je sais, Alfred. Je compte sur vous pour le réduire. J'ai détruit le lance-missile du chevalier d'Arkham. Envoyez la Batwing pour commencer à chercher le déluge et communiquer les résultats à la tour de l'horloge dès que c'est fait. Ok, fini de jouer aux petits soldats maintenant. On va se marrer un peu. Chacun son tour. Tu résous quelques... je sais pas moi, affaires criminelles en cours ou quelques objets d'énigmes de l'adorable Mister et... Un poste de contrôle installé près de Perdition Bridge. Lui pour très longtemps. Ces soldats ne font pas dans la dentelle, Maître Bruce. Ils sont équipés d'armes à feu et protégés par des tourelles. La chauve-souris ! On lui tue ! Je ferais mieux de détruire le poste de contrôle du commandant. Un poste de contrôle installé près de Perdition Bridge. Plus pour très longtemps. Ces soldats ne font pas dans la dentelle, Maître Bruce. Ils sont équipés d'armes à feu et protégés par des tourelles. Cette ville
chauve-souris. Tu vas prendre cher, Batman. Je vais à Divinity Church. L'homme mystère n'abandonnera pas. Il a trop d'orgueil. Vous allez le décourager, monsieur. Vous êtes une certitude. Sans réflexion, la vie ne voulait être vécue, détective. Je me suis demandé ce qui m'agaçait tant chez toi. Tu es un malabar en costume qui trimballe des jouets hors de prix. Le plus grand détective du monde. Tout le monde croit de Gotham à Star City. Je ne laisserai pas un charlatan. Un dilettante masqué faire le beau au milieu d'un intellect supérieur et à réapparaître sans vergogne la gloire, l'estime et le respect. Et donc, un peu plus simple, détective. Baisse le niveau d'eau, comme ça. Mais avant toute chose, j'ai une énigme pour toi. Petite devinette, détective. Que font les chauves-souris quand elles sont chez elles? Si j'avais pratiqué ce point d'attache pour qu'il lâche, tu serais mort en un instant. Mais avant, ce ne serait pas satisfaisant, n'est-ce pas? Ça sache qu'il causera ta propre terre. Thank you.
Le niveau de l'eau baisse autant que les chances de survie de quelques bâtiments. Tu vois, c'est quoi? Je voulais que tu détruises les robots. C'est vrai. Ça faisait partie de mon plan sans faille parfaitement conçu. Eddie, on pourrait pas changer de jeu. Il devient lassant, celui-là. De la mort de Batman, je l'avoue. Mais le voir provoquer la tienne me suffira amplement. Tu te sens en veine, Catwoman? Tu ne devrais pas. Parce que c'est une forme de superstition. Quelle clé sélectionnée? Tu es le chat de Schrödinger, Catwoman. Si tu me permets, observation.
Tu crois qu'il est assez malin, Kat? En espérant qu'Eddie n'ait pas commencé à tricher. Eddie, on pourrait pas changer de jeu. Il devient lassant, celui-là. Quelle vitrine, chaton. En espérant qu'Eddie n'ait pas commencé à tricher. Échec et mat, Batman. Il semblerait que je Eddie, on pourrait pas changer de jeu. Il devient lassant, celui-là. Catwoman. Rien de difficile. Ce n'est qu'une simple question de vie ou de mort. Quelle idée, chaton. J'ai longtemps rêvé de la mort de Batman, mais le voir provoquer la tienne me suffira amplement. Thank you.
Chaton. Là, tu es prise à la gorge. Mais quand... En espérant qu'Eddie n'ait pas commencé à tricher. Et après, on dit que les chats noirs portent malheur. Encore une clé, bravo! Bien sûr, tu perdrais instantanément tes deux vies si je devais réactionner ce détonateur. Encore une porte déverrouillée. Quelle surprise! Intelligent de tous, détectives, forcés d'endurer sans relâche les soupçons et les moqueries de tous ceux qui leur piètre fracture et mentale, empêchés de reconnaître ce fait pourtant évident. Puis tu es apparu dans Gotham, déguisant des capacités intellectuelles légèrement supérieures, force de le reconnaître, à la voyelle des voyous, sous un masque de héros militants. Et tout le monde est tombé en forme. Alors, Felina, héros, il est temps de rejoindre Catwoman pour une nouvelle épreuve. Selina est toujours piégée à l'orphelinat. On la sauvera ensemble.
tu es revenu. Je t'avais dit que je te sortirais d'ici. Je sais. C'est juste que... Rien. Passons à la pièce suivante, si tu veux bien, avant que ma tête explose. Ah, quel plaisir de retrouver mon duo de comiques préférés. Vous savez, c'est une nouveauté pour moi d'élaborer des salles de défi pour deux demi-portions au lieu de... Remarquez, à vous deux, vous en formez une entière. Chevalier Noir, quand tu auras failli à ton ami Félix et que tu auras fini de pleurer sur son corps sans aide, on pourra peut-être recommencer avec Robin. Ou bien ton fils prodigue de me citer à la lune. Tu peux grimper là-haut ? Au plafond ? Facile. Petite énigme, peut-on dire dédale sans but qu'elles sont toujours un dédale ? Dédale ! C'était douloureux, Catwoman ? Bien. Sache que la stupidité est une souffrance. Tu sais, j'ai dû ne... Oh, Eddie, je t'assure que tu vas le regretter très, très amèrement quand je t'aurai retrouvé. Tu es à mi-chemin. C'est le dernier pont. On y est presque, Célina. Fini de ce côté. Pourquoi t'es exigeant ? Moi, je t'y attendais à toi. Pourquoi je t'y attendais à toi ? Quand je sortirai d'ici, je passerai ce collier autour du cou d'Eddie.
devez vous trouver très intelligent, très fin. Pardon d'interrompre ce pathétique moment d'autosatisfaction, mais je tiens à vous préciser qu'il est peu probable que vous en viviez d'autres. Que vous en viviez d'autres. Catwoman, Batman ne te sauvera pas. Car ce qui l'attend sous la gare maritime de Ranlag est mon épreuve la plus difficile. Batman, est-ce qu'on... Ne te laisse pas atteindre par ce qu'a dit l'homme mystère. Eddie est un crétin, mais un crétin qui a disséminé un arsenal complet de pièges mortels dans toute la ville. Et ? Et je voulais juste te dire une chose. Sois prudent. Tout est de ta faute et j'apprécie le fait que tu répares tes erreurs, mais fais bien attention à toi, d'accord ? Tente ta chance avec Catwoman, Batou. Elle est vulnérable, piégée dans un orphelinat abandonné. Si c'est pas romantique, je m'y connais pas. En parlant de ça... Je suis... Gare maritime de Ranlag. Eh bien, dis-moi, la partie est terminée. De comment tu nous avais zigouillé tous les deux, et elle s'est mise à pleurer, alors j'ai voulu la pousser. Bat ordinateur connecté, Maître Bruce. Tanks ennemis en approche, monsieur. Ennemis repérés au jardin botanique. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Bombe détruite, monsieur. Fantastique travail. Protégez ces bombes, sergent. Quoi qu'il en soit. Gare maritime de Ranlag. Très bien, dis-moi. La partie est terminée. Sors de là ! Tire-toi ! C'est la fin pour toi, pour être exact.
J'avoue que je me sens d'une heure assez charitable à leur triomphe. Alors, je vais te donner le plutôt que de te voir poursuivre vers l'humiliation et la mort. Je te laisserai partir librement en échange d'une déclaration signée stipulant quand tu reconnais la supériorité de mon intelligence et le fait que je t'ai mis échec et mat. Comme preuve de ta défaite, bien sûr, je garde le chaton en otage. Présent dans les médias sociaux.
Ok, on y est presque. Tu crois qu'il est assez malin? Et c'est parti. Voilà, c'est fini. Mes félicitations, Catwoman. Tu es désormais libre. Libre de passer l'examen final. L'examen final. Eddie, je ne savais pas que tu t'étais mis à tricher. Tu me déçois. Je dissimule, j'obscurcis habilement. Mais je ne triche jamais. Comme Batman et toi le constaterez quand vous tenterez de résoudre l'énigme finale. Je vais à la tour de l'horloge, Alfred. Transférez-moi les données de la Batwing dès que l'analyse sera terminée. Très bien, monsieur. Je vais pas rester ici.
Identité confirmée. Alfred, envoyez-moi les images du scanner embarqué de la Batwing. Très bien, monsieur. Comme vous pouvez le voir, la Batwing a terminé le balayage orbital de Founders Island, mais toujours aucun signe du déluge. Naturellement, je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Oh, une seconde, monsieur. Je reçois un appel d'urgence provenant des studios de cinéma. Batman, j'espère que vous m'entendez. Les studios de cinéma sont envahis. Robin est en danger. Écoutez-moi bien. Vous devez verrouiller la pièce. On ne doit pas laisser les infectés s'échapper. Bien sûr. Dites-moi ce que... Henry ! Ça suffit, les bêtises ! Hé, hey, regardez qui arrive après la bataille. Comment ça va, Pat-Naz ? Ça fait un bail ? Harley Quinn. Ça alors, tu te souviens de moi ? C'est bizarre. Parce que tu as tué la seule chose que j'ai jamais aimée. Et maintenant, je découvre que tu as gardé en secret toute une génération de Jokers. Eh oui. Malaise. Ne fais pas ça. Ils sont instables. Oh, ils sont instables. Tu devrais peut-être te regarder dans la glace à l'occasion. Alfred, il faut que j'aille au studio de cinéma. Faites vite, monsieur. Mademoiselle Quinn est clairement lunatique. La vie de Robin est peut-être en jeu. Je t'avais dit qu'il fallait liquider cette bande de sosies de bas étage. Ils n'ont pas intérêt à tuer Robin, Batou. C'était mon idée à moi. Alfred, vous avez des pistes ? Quelle couleur est ton sang ?
énigme. Qu'est-ce qui est mort? Toi! Ce que vous venez de faire, j'ai jamais vu ça. Tout va bien, lieutenant. Vous êtes sauf. J'ai essayé, Batman. Je voulais aider. Mais je n'étais pas assez fort. Ce n'est pas votre faute. Où que les flammes fassent rage, donne-moi la force de sauver une vie. Ce ne sont pas que des mots. C'est une philosophie. Trouvez les autres, s'il vous plaît. Attendez ici. Un agent vous conduira en lieu sûr. Je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer ce que doivent vivre les autres, s'ils sont encore en vie. J'espère que oui. Personnalité pour le... Une.
Je pourrais lui parler de toi si tu veux. Y'a qu'à demander, mon pote. Laissez tomber. Vous faites chier. Dis, tu te rappelles quand ils tournaient des films ici? C'était des grands classiques. Maintenant, ils font plus que des suites et des remakes. Ouvrir. Échec de l'empreinte vocale. Accès refusé. Viens l'essayer, partner. Harley a changé le code d'accès vocal. Je peux me servir du modulateur que j'ai trouvé sur le chauffeur du chevalier d'Arkham pour synthétiser sa voix. Regardez qui arrive après la bataille. Comment ça va, Batnaz? Ça fait un bail? Calibrage vocal terminé. Je vais pouvoir imiter Harley et ouvrir la porte avec le synthétiseur vocal. Ouvrez. Il a dû se passer un truc. La radio est peut-être foutue. Si j'apprends qu'ils sont en train de fiancer, je vois Groal leur arracher les bras et les jambes. Je le sens pas. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un les a tous cueillis. C'était cette saloperie de chauffe pourri débile. Posez-moi cet hélico ici tout de suite. Je veux plus d'hommes sur le toit et des tourelles automatiques pour couvrir l'entrée. Et c'est même pas la peine de penser à redescendre tant qu'il est pas mort. C'est bien compris? Il faut que je sécurise le toit. Je peux utiliser le synthétiseur vocal pour manipuler les hommes d'Harley. Oh, pauvre Harley! Elle perd son temps avec ses pâles copies. Je suis juste là, sous ta peau. Ça me laisse quand même perplexe. Comment elle a pu trouver ta bad base top secrète, Batou? Jetez un coup d'œil à la caisse, là. Dans une glace de mon vivant, peut-être que quelque chose l'empêchait de s'épanouir. Ça me paraît bon. Vérifiez le générateur. Ok.
tiens. C'est parti, les gars. La vilaine chauve-souris est de retour. Essaie de refaire ça si tu l'oses, Batman. Laisse tomber, il est complètement KO. On bouge. Ça va, les gars? Vous voyez quelque chose? Que dalle! J'ai entendu un truc. On est parti par là! Il s'en tirera pas. Merde, fumée. Avec le synthétiseur, je peux éloigner les malfrats près de l'ascenseur. Luc 3 ? Oh ! On dirait que je vais être à court de créneaux ! Je te suis de l'arle ! Super pour elle ! Ok, ce n'est pas super pour eux, mais... Vérifiez le générateur ! Voir comment va le gars à terre. Bonne idée. Pas encore. Ce pauvre taré croit qu'il nous fait peur. Parle pour toi. Reprends-toi, mec. On peut rien pour lui, c'est fini. Ouvrez bien l'œil. Hey, mon vieux. Ça va? Oh non, y a plus que nous. On peut battre ce naze. Prouvez-moi que j'ai tort, abruti!
avoir l'air mort de trouille et tue ce bat-naze. Installation de toile. Voilà pour les hommes de main. Maintenant, il faut que je m'occupe d'Harley. De souvenirs. Toi, moi, et tout un pavillon de tueurs psychopathes. Tu te sentais à ta place, avoue. Oh, arrête ton char! Tu te crois différent parce que tu n'as jamais tué personne? Flash spécial! Tu m'as tué! J'étais là, tu te rappelles? Tu as détruit mon antidote, juste sous mon nez. Tu m'as regardé m'étrangler de rire! Ensuite, après m'avoir tué, tu as dit que tu aurais partagé. Ah, tu ne pouvais pas reconnaître ma victoire, même pas en cadeau d'adieu. Mais je suis dans tes entrailles maintenant. Oh, oh. Et on sait ce qu'il en est. Ah, oui, tu as déjà tué. Et cette nuit, je t'aiderai à le refaire. Voilà, le grand méchant Batman. J'ai pas compris, tu disais quoi? Aidez-moi! J'ai marre d'attendre que tu te décides à crever. Ouvrez! Identité? J'ai l'impression qu'il aime ça. Laissez les passer. Les infectés, où est-ce qu'ils sont? Ils sont pas infectés. C'est des jokers. Ils sont avec Harley. Et ils partiront pas avant de te voir mort. Comment elle nous a trouvés? Comment elle est entrée? Je lui dirais si j'étais toi. Il est pas toujours de si bonne humeur, tu sais. J'en sais rien, moi. Oh, elle doit être plus maligne que ce que tu crois. Ça m'étonnerait. On consulte le bat-ordinateur. Bonne idée. Je vais boucler tout le bâtiment. Personne ne sort tant qu'on n'a pas retrouvé les infectés.
Elle est juste entrée comme ça. On n'a pas eu d'alarme. La reconnaissance vocale doit pas marcher. Peut-être. Aucun signe de piratage. S'ils sont toujours là, le système de reconnaissance faciale les trouvera. Les voilà. Albert King est dans le décor de Western. On dirait qu'il s'équipe pour faire son comeback. Ils ont emmené Christina Bell dans le décor de Maison Hantée. Harley a posté des gardes armés pour la protéger. Charisma est sur le plateau de tournage. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il manigance. Bon, on sait où ils sont. Il nous reste plus qu'à les ramener. Ça devrait être facile, non ? Tu crois qu'elle me reconnaîtra dans ce masque froid et rigide que tu appelles un visage ? Dis-moi, on peut faire des grimaces, pas vrai ? Henry, verrouillez cette porte. N'ouvrez pour personne en dehors de Robin et moi. Comment ça va, Batnaz ? Elle est sympa, cette planque. Je suis sûre que mon Joker aurait aimé. Il se serait plu dans ce genre d'endroit. Chaque jour, en sachant que je ne reverrai plus jamais son beau visage. Comment tu le saurais ? Je peux te dire que ça a été éprouvant. Enfin, en contrepartie, j'ai trois nouveaux jokers maintenant. Chacun d'entre eux est parfait dans son genre. Hors de question que je m'approche de Belle. Elle est tarée. Elle a sauté sur Hudson et lui a griffé un œil carrément, devant tout le monde. Elle a fait quoi, Harley ? Rien. Au contraire, si quelqu'un a le malheur de regarder... Robin, attends ici pendant que je passe derrière. On le neutralisera plus vite en duo. Quand est-ce que j'interviens ? Tu le sauras quand tu le verras. On peut dire que tu as pris ton temps ? Je voulais tester ton sang-froid. Je m'en suis bien sorti ? Tu as besoin d'entraînement. Allez. Allez, miss. Il faut qu'on vous mette en lieu sûr. Non, c'est une blague. Je veux me trouver aux premières loges. S'il lui arrive quoi que ce soit, Harley vous étripe. Ouais, c'est ça! Et quand Batman verra comment vous m'avez traité, il vous mettra KO, toi! Et toi! Bon, peut-être pas toi. Mais toi, c'est sûr, par contre.
et toi. Oups. Bon, et ben ça équilibre un peu les choses. Enfin bref, quand il en aura fini avec vous, lui et moi, on aura cet endroit pour nous tout seuls. Alors mettez-vous au boulot. Et faites en sorte qu'il vous montre à quel point il me désire. T'as entendu la dame? On y va. Bon sang, elle avait pas besoin de le tuer. Ce type prétentieux de la milice avec leur sang. Vous avez fini, bande d'abrutis. Elle est à l'abri, saine et sauve. Cette fille est très importante pour moi, donc je ne veux pas prendre de risques. N'oubliez pas. Robin, vite! Quand je vous donne un ordre, vous. Hé hey, il essaie d'attaquer! Batman? Batman, c'est toi? Ces crétins veulent nous séparer. J'ai oublié de leur décrire toutes les choses douloureuses que tu allais leur faire. Mais. Batman! Bon, les gars. On pourra neutraliser cette mitrailleuse plus rapidement en faisant équipe. Bouillie semi-consciente, que vous ne pouvez pas résister un minimum. Je veux qu'il soit tout taché de sang quand il me sauvera. Il est pour toi, Robin. Ça n'est pas aux valeurs atteignées. De quel côté? Oh, oh, et une victime au compteur. Illuminée était le premier volet de Batman à la rescousse de Christina. Avec de telles performances que tu vas devenir célèbre. Écoute, mon petit Batou, si ça n'était qu'à moi, j'engagerais des gars bien mieux que ça. C'est plus lent, deux fois plus effrayé, quatre fois plus fragile. Tu sais ça, au moins. J'ose espérer. Serait-ce Robin? Robin est ici. Les gars, tuez ce sale petit emmerdeur, il n'a rien à faire là. Je ne vais pas passer pour des nazes. Trouvez-le. Robin, il ne t'aime pas, tu sais. Laisse-nous tranquille, ou je t'empêterai les membres. Jusqu'à ce que tu puisses te fonder. Vous avez entendu Harley? Trouvez Batman et tuez-le. Sans problème. T'entends ça, pauvre taré? On va venir te chercher. Oui, cette fameuse Harley. Elle est passée ici. Elle a du potentiel. Mais elle a le profil d'une subalterne. Je le vois bien. Elle serait plus épanouie si quelqu'un était là pour lui dire qui kidnappait, torturer et quand la fermer. Tu te fous? Elle est pire que le Joker. Lui, au moins, il voulait qu'on gagne. Il nous cueille un par un comme un lâche. Il devrait se montrer se battre comme un homme. C'est pas un homme. Batman ne sait pas, mais il a gardé le meilleur pour la fin. Ces vieux tours de passe-passe prendront pas avec nous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout le monde va bien? Étrangler, torturer tous ces idiots. Rien que pour vous.
tu leur fais mal. J'adore ça. Temps d'aller chercher Mademoiselle Belle. La moitié du visage. Sois franc, comment je m'en sors? Un peu trop lent. Je l'accompagne à sa cellule. Henry, Robin va arriver. Vous le laisserez entrer. D'accord. Ça veut dire que vous avez arrêté l'un de ces monstres, alors? Oui, mais c'est pas fini. Ce Robin est une sacrée amélioration par rapport au dernier, Matou. Tu te souviens de Jason Todd? Quel génial! Toujours en train de se plaindre. On est quand même bien mieux, toi et moi, sans ce tocard. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Un pauvre petit Batman tout seul. Tu veux qu'on en finisse? Alors viens me voir. Ignore ce taré. C'est entre toi et moi, petite tête. Oh. Pitié. Comme s'il était intéressé par un combat. Tu ne le connais donc pas? Il lui faut plus que ça. Quelque chose d'intelligent, de créatif. Je vais l'amuser, moi, avec mes deux poings. Puis je m'occuperai de toi, Charisma. Je vais te frapper tellement fort que tu chanteras la tête derrière les omoplates. Oh, ce mur a l'air bizarre. Allez, jetez un coup d'œil. Pour ça. Et secondo, soyons honnêtes, l'ancien, ta date de péremption est dépassée. Tu sais à qui tu parles, petit? Tu devrais faire gaffe à ce que tu dis. C'est ça. À toi de choisir, Batman. Entrons-nous et on verra qui gagne. Je parie sur moi-même.
Il y a quelqu'un ? Jason, je te croyais mort. Batman ? C'est toi ? Batman ne viendra pas te sauver, Jason. Il viendra. Ça fait plus de 6 mois, Jason. Il va falloir se rendre à l'évidence. Va te faire foutre ! Ah, voilà qui est mieux. On voit très bien de quelle chauve-souris tu tiens. Pas sûr que ça te rende service. Pourquoi tu me tues pas ? Quoi ? Oh non, 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 non. Je ne vais pas te tuer. Du moins, pas encore. Tu es mon acolyte, maintenant. Imagine, toi et moi, on parcourt les rues, on déclenche des bagarres, on persécute les faibles, un duo instantanément culte. Comme l'ami Batman et son nouveau petit protégé. Je ferai pas ça. Tu crois ? Alors, ce n'est pas de Batman qu'il s'agit ? Bizarre. Si les oreilles pointues le trahissent, en général. Non. Je ne voulais pas te mettre cette photo sous le nez, non, sincèrement. Mais bon, c'était le seul moyen pour que tu tournes la page. Oh, je sais que ça fait mal, mais parfois... il faut être cruel pour le bien d'autrui. Tu vas bien ? Ça va. On passe au suivant. Désolé, Batou. C'est un duo que j'ai prévu à l'origine. Le petit Piaf reste dehors le temps qu'on joue de la musique tous les deux. À ta place, j'essaierai le clavier. Cette serrure n'a aucun composant numérique. Je ne pourrais pas utiliser le dispositif de piratage à distance. Henry, j'ai besoin d'aide. Bien sûr, je vous écoute. J'ai besoin de récupérer les images de la caméra de surveillance du plateau C. Vous pouvez utiliser l'ordinateur de cette pièce. D'accord, je vais essayer. Les ordinateurs, c'est pas vraiment mon fort. Vous pouvez isoler les données avec le panneau de droite. Faites glisser votre doigt le long du cadran. Ah, comme ça ? Oh, cette technologie est vraiment... intéressante. Ok, je vois la caméra. Sélectionnez les 10 dernières minutes sur la piste. Et c'est fait. Je vois ça. Merci, Henry. Caris m'apporte un gilet explosif. 5 autres bombes sont installées dans la pièce. Bien reçu. Ne sois pas timide. Il y a de la place pour 2 sur le plateau. Non, vraiment, j'insiste. Comme tu vois, la foule est si enthousiaste qu'elle pourrait bien exploser. Il n'y a que moi qui te joue la sérénade. Allez-y, les gars. Allez, ramène-moi. L'asile. On n'est jamais seul. Tu sais, à l'asile, c'était le chaos, l'anarchie.
Mais toi, tu n'as jamais souri. Tant pis pour toi, je suis dans ta tête. Alors, qu'est-ce que tu dis ça? Rappelle-toi qu'à Arkham City, j'ai vu ta copine, si, Charlie. Cette nuit-là, tu m'as laissé crever. Les piles dans les yeux, je t'ai regardé. Et là, j'ai su qu'on serait réunis. Qu'est-ce que tu... Ça ! Je suis dans ta tête et je suis mort de rire. Ah ! Je suis dans tes pensées et je suis trop mort de rire. Tes parents sont morts et je suis trop mort de rire. Vraiment, c'est trop beau. Tu m'as dans la peau. Je suis le prince du crime. Un contesté. Et franchement, qu'est-ce qu'on s'est marré. Toi et moi unis jusqu'au bout. Plus on rit, plus on est de fous. J'ai tellement hâte de te contrôler. On verra bien qui rira le dernier. Je t'ai poussé à bout et je suis mort de rire. Avec toi jusqu'au bout et je suis trop mort de rire. J'ai buté tes amis et je suis trop mort de rire. Oh yeah, je sens la peur qui est en toi. Bientôt c'est moi qui ferai la loi. Je coule dans ton sang, je me sens vivant. J'aimerais tant que tu me laisses le volant. Et sans tarder, je te forcerai à tuer. On verra bien qui rira le dernier. Barbara est morte et je suis mort de rire. Jason, t'as des morts et je suis trop mort de rire. Moi aussi je suis mort. Toutes les bombes sont désamorcées. Maintenant on peut s'occuper de Charisma. Pas de rappel? Et c'est un chanteur professionnel? Même Alfred chante mieux que ce type. Beau travail, Robin. Ce fut un plaisir. Disons que ce sera ma contribution au monde de la musique. Et si on mettait l'artiste dans sa cellule? Dou 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 dou. Dou dou dou. Entraînons, hein, bâton. Je vais ramener Charisma à sa cellule. Alfred, on a presque fini et il faut rattraper le temps perdu. J'ai besoin d'améliorer la voiture. Absolument, monsieur. Quel serait votre choix ? Le générateur des armes version 4 surcharge vos armes secondaires pour atteindre leur capacité maximale. Si vous n'affrontiez pas une armée, monsieur, j'estimerais que l'on frise les limites du raisonnable. Ah oui, monsieur Fox en est particulièrement fier, monsieur. Le virus de drone permet de pirater le système de visée des tanks et de les retourner contre leurs homologues. Le générateur des armes version 4 surcharge vos armes secondaires pour atteindre leur capacité maximale. Si vous n'affrontiez pas une armée, monsieur, j'estimerais que l'on frise les limites du raisonnable. Parfait, monsieur. Avec ceci dans la Batmobile, les tanks sont tous bons pour la casse. Hé, j'en connais un qui aurait mieux fait de la fermer. Il reste plus que toi et moi, Batman. Face à face. Un vrai combat. Que je pourrais raconter à mes gosses. Bien sûr. Tu pourrais pendre tes jambes à ton cou comme une mauviette. Tu as battu des branleurs. Maintenant, affronte le meilleur. Je fais pas confiance à ces faux jokers. Les ordres de Harley et de personne d'autre. Ouvrez la porte. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Ouvre la porte, c'est tout. Ok. Mais je trouve que ça craint.
Mais si la porte se baisse, qu'est-ce qu'on fait pour Batman? Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Debout, on se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je vais te faire mal? Pourquoi? C'est pas moi le méchant dans l'histoire. Non, 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 non. C'est Batman. Il t'a abandonné, jeté dans le caniveau comme un chiot indésirable. Je peux l'avoir, papa? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je m'occuperai bien de lui, promis. Si ça te fait plaisir, ma jolie princesse, mais fais en sorte que les gens sachent que c'est le tien. Tu ne veux pas qu'il se retrouve ici à nouveau, dis-moi. Oh non, ma poulet. Je veux le garder pour toujours. Non, aidez-la! Non, aidez-la! Non! Ah tout va bien? On dirait que t'as vu un fantôme. Ça va, Jez... Tim. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait ça. C'est il en reste un. Le pugilat du siècle! Prêt à prendre ta leçon, Batman? Par où on commence? Qu'est-ce que tu penses d'une introduction? Au bottage de cul! Rien à répondre. T'es du genre silencieux, hein? Bon, voyons si je peux changer ça. Vous allez tous les deux hurler de douleur et me supplier à genoux. Toi et moi, Batman! Allez! Tu vas mourir, c'est pas un entraînement, Batman. Tu n'arriveras plus. Oui, bonne nuit. Et voilà. Bouge pas. Attention, je suis en colère contre vous deux. On ne laisse pas Harley gagner. On se donne à fond. Je vais te briser en deux.
secours. Beau travail. Tu t'es vraiment bien défendu. Je suis bluffé. Tu peux le porter. Ah, il a mangé quoi, lui? Une voiture? Batman, pitié! Vous devez venir m'aider! Cette abominable Queen et ses hommes essaient d'entrer ici! Qui sait ce qu'elle est capable de me faire? Pas de panique, Henry. J'arrive tout de suite. Robin, attends ici avec l'infecté. Je vais aller m'occuper des hommes d'Harley. Tu crois qu'elle est fiable? Qui? C'est Batman! Hé, hey Batman, il est où ton petit piaf? Vous vous êtes chamaillé? Oh, il s'est fâché et il s'est envolé, c'est ça? Quoi? Tu veux rentrer? Non, non, ça va pas être possible, mon pote. Je suis sûr que ça peut s'arranger entre vous deux, hein? La princesse Claude... S'ils me voient entrer là, ils ne prendront pas le risque d'ouvrir. C'est elle qui les avait enlevés en premier. Harley avait raison. Ouvrez la porte, vite! Pas de problème. Un coup, faut lui fermer la porte, un coup, faut l'ouvrir. Moi, je pense qu'elle est cinglée. C'est pour ça qu'on te paie pas pour penser, crétin! C'est juste une batruse! Montre-toi, Batnaze! À moins que t'aies les chocottes! Oh, voyez qui voilà! Le petit larbin de Batman! Alors, il t'a laissé tout seul! Non, il s'est dit que je pouvais m'occuper de toi en solo. Il te prend pas trop au sérieux. Moi non plus, d'ailleurs. Oh! Il cherche les ennuis! Tu te crois marrant, hein? Ouvrez la porte! Cette fois, c'est moi! Si tu crois pouvoir le ramener aux cellules, tu te fourres le doigt dans l'œil! Il a le Joker en lui, comme tous les autres! Ça veut dire qu'ils sont à moi! Je les emmène! Ce serait très irresponsable de ma part de permettre une chose pareille. Batman m'a pris Monsieur J une fois. Pas question que ça se reproduise! T'entends ça, Batman? Je sais que t'es là! Ouais! Où est-ce que tu te planques, Batnaze? Bah alors, t'as peur de nous combattre? T'as vu ça? Il suffit d'une petite pression sur la gâchette pour que... Interdit de toucher à la dame du boss. Chop! Je vais te détruire! Si ma jamais à me toucher! Si ça te dérange pas? Oh merde! Qu'est-ce qu'on fait? Il est pour toi. Oh merde, il a passé trop dur. Ouf. J'adore cette partie. Impressionnant. Qu'est-ce que tu veux? Je suis irrésistible. Il faut qu'on retourne aux cellules. Emmène Albert. Je m'occupe de Queen.
La cellule. Non, non, non! Attends, Robin. Vous les avez tués, n'est-ce pas, Henry? Oh, Batman, vous êtes si naïf! Vous voulez à tout prix voir le bon chez les gens. Particulièrement quand ils sont mauvais. Jerry, je suis rentré. Je crois qu'on sait qui a reprogrammé la sécurité. À présent, veuillez vous donner la peine. Allez rejoindre votre ami là-bas. Allez au diable. Maintenant. Bien joué, Henry. À toi, Batou. C'est amusant, l'évolution. Peu importe combien d'obstacles se dressent sur sa route, c'est toujours le plus fort qui survit. Ceci dit, vous savez ce qu'on raconte sur l'évolution. Même les amibes en sont capables. Qu'est-ce que tu fais ? Je lave le patrimoine génétique. Même moi, je ne sais plus trop quel camp encourager. Adieu. C'était très... instructif. Oh, tout compte fait, tue-le, tue-le, tue-le! Ça alors, quelle surprise! Vous allez être spectaculaire! Cette cellule-là est pour toi. Je dois arrêter l'épouvantail. Quand ce sera fait, je me ferai enfermer. Et si tu échoues, tu seras trop dangereux, je ne pourrai pas t'arrêter. Non, 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 c'est hors de question, tu entends ? Il faut que tu rentres dans la cellule. On n'a plus d'autre choix. C'est un argument de défaitiste, Batou. Et tu le sais. Allez, il faut que tu le fasses. C'est toi le patron. Il n'a pas à te dire ce que tu dois faire. Tu ne peux plus sortir. C'est trop risqué avec le Joker en toi. Foutaise. Il y a assez de place pour nous loger tous les deux ici. Là-dedans, en revanche, c'est étroit. Si tu as un doute, c'est que c'est lui qui parle. Oh, si tu hésites, c'est que tu es d'accord avec moi. Je regrette, Bruce, mais c'est le seul moyen. Je sais, Tim. J'aurai l'épouvantail. Maître Bruce, je vois plusieurs forces de la milice converger vers votre position. C'est le chevalier d'Arkham. Il vous a trouvé. Je vais m'en occuper, Alfred. Vous en êtes sûr ? Il y en a un certain nombre. Je vous dis que ça ira. Tout ira bien. Évidemment. Tu m'as tout appris. Te tracasse pas pour Robin, Batou. Je suis sûr qu'il s'en sortira. Enfin bon, j'en suis presque sûr.
J'avais pas fini mon histoire sur Jason Todd, si. Quelque chose à dire au gentil monsieur Jason? Je m'appelle Jason Todd. Qui détestes-tu? Batman. Excellent. Bien sûr, c'est normal. T'entends ça, bateau? Le gamin n'est plus à toi. Il est à moi. À moi. À moi. À moi. J'en ferai ce que je veux. En fait, j'ai une question. Quel est le grand secret? Qui est l'horrible chauve-souris? Son nom? Dis-le-moi. Oui, monsieur. C'est... J'ai jamais supporté les balances. C'est pour ça que j'aime œuvrer seul. Personne ne vient vous gâcher la chute. Tu devrais essayer un jour. Après tout, tu as bien vu ce que ça donnait quand tu entraînais tes camarades dans notre petit jeu dangereux. Il faut que tu rentres dans la cellule. On n'a plus d'autre choix. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour ton bien. Crois-moi. Tu es devenu fou! Écoute-moi, on peut t'aider! Tu n'as pas besoin de faire ça! Alfred! Alfred! Espèce de fumier! Tu m'as coupé la communication! Monsieur, tout va bien? J'ai perdu le contact avec Robin. Est-ce normal? Il va bien. Ça vient de sa radio. Je l'ai en face de moi. Dieu merci. Vu les circonstances, je craignais le pire. À ce propos, le chevalier d'Arkham a envoyé un escadron de tanks dans les rues de la ville pour en reprendre le contrôle. Fort heureusement, l'amélioration du générateur des armes que vous avez demandé a été effectuée. Merci, Alfred. Il n'y a pas de remède du tout. Tu as fait bosser la tête de Piaf pour rien alors qu'il aurait pu sauver Barbara. C'était cruel, égoïste, et ça a eu des conséquences terribles. Ah, si seulement tu l'avais fait. Non, 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 ne me dites pas qu'il est parti. Il est encore dans les parages. Je le sais, Batman ne se replie pas. Je déploie des renforts, trouvez-le.